अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, quand as-tu pu constater ses qualités ? À son anniversaire, il m'a invité à le célébrer. C'est là que j'ai compris que c'était une bonne personne. Oui, maman ? L'anniversaire de Ranvir est demain, non ? Oui. Pourquoi donc ? Ranvir, demain, tu vas fêter somptueusement ton anniversaire. Et je vais tout organiser pour que tu puisses célébrer ton anniversaire ce soir même. Maman, tu veux bien arrêter? Tais-toi, ferme les yeux. Sinon, tu vas avoir des rides. Tu vois, même ton père s'y connaît. Mais ça sent mauvais. Mauvais? Depuis quand le concombre sent mauvais? Non, le mélange que tu as appliqué. Reste tranquille. Et tu verras. Demain, le visage de ma fille brillera comme la lune, tu verras. Mais Kanchan, à la cérémonie de demain, le curcuma sera appliqué sur elle. À quoi ça servira? Hé! Mais tu fais quoi, là? Mais ne mange pas ça, voyons! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qui t'appelle, Ichou? C'est Roop. Oui, allô? Non. Je t'en supplie. Ne te fâche pas. Quoi? Hein? Pourquoi? Mais dis-moi! Dis-moi à quelle heure tu seras là. Mais où ça? Ranvir! Quoi? Dis-moi, t'as oublié d'informer Ishika? Qu'elle devait venir avec toi pour choisir votre invitation. Pourquoi je devrais informer Ishika? Ce n'est pas difficile à faire, non? Je m'en occupe. N'en fais pas tout un plat. Tu es prêt? Je suis prêt. Viens, ouais. On part. Je suis prêt. Je suppose que tu as entendu ce que Ranvir a dit. Nous partons et nous te prendrons en chemin. Donc prépare-toi vite. On arrive. Tu viendras, hein? Ichou, tout va bien, ma chérie? Ça va. Non. Ah, Ranvir, t'en fais trop. Pourquoi tu ne m'as pas informé clairement? J'ai dû dire autre chose à Ishika. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit qu'on va aller choisir votre invitation de mariage. Nous viendrons tous les deux la chercher. Tu vois, en tant que ton petit frère, je te respecte. Et j'ai aussi le devoir de t'aider. N'ai-je pas raison? Heureusement que je me suis occupé de tout au dernier moment, comme toujours. Et tu ne m'as rien dit avant de lui parler? Tu en fais trop. Allez, dépêche-toi. Ouais. Allez, on y va. Roop? Tiens, tu as oublié de prendre ça. Eh bien, tu auras besoin de ce mouchoir pour essuyer les larmes de Ranvir. Franchement, je pense qu'une fille devrait vraiment savoir si son mari prend son opinion en considération ou s'il n'apprécie pas. Et autant que je connaisse Ishika, je pense qu'elle ne serait jamais d'accord pour se marier avec un tel homme. Tiens. Eh bien, ma fille, jette-y un coup d'œil au moins. Je ne veux rien voir du tout. Je ne veux pas me marier dans le même pavillon de mariage qu'Ishika. Maman, ce sera mon jour spécial. Je pense que Pourvi a raison.
Ce jour devrait être consacré pour nous. Écoute, Vinay Kumar, s'il te plaît, accepte cette idée pour économiser. Ah oui, et nous utiliserons cet argent pour t'offrir une voiture plus grande, hein, papa? Oui, bien. Oui. Ah, super. Ce sera parfait. Et de cette façon, j'aurai une plus grosse dot. Pourvu. Ce qu'ils disent tous, en fait, n'est pas tout à fait faux. Je pense que tu devrais quand même y repenser. Mais j'ai dit que je ne voulais pas me marier au même endroit qu'Ishika. C'est tout. Ah mais, écoute-moi. Écoutez, ne vous inquiétez pas, d'accord? Je suis là. Je vais convaincre Pourvi. Oh, celui-là. Écoutez. Ici Ranveer Singh Vaghela, et ici Rupesh Patel de ce côté-là. En fait, mettez Ranveer Singh Vaghela en haut de la carte. Regarde, mon nom sera en haut. Ici marié, et ton nom sera imprimé en bas de la carte. C'est bien, non? Rupendra, aujourd'hui ton cœur doit avoir beaucoup de mal. Tu es très jaloux. Je devrais le rendre encore plus jaloux, tu verras. Rupendra! Oui? Que fais-tu encore là? Nous choisissons notre carte de mariage là, et toi? De toute façon, je n'aime rien ici, mais... sauf ce modèle. Tiens. Mon nom sera imprimé ici en haut et en bas ici, le nom d'Ishika. On dit quoi? Cette carte d'invitation est vraiment belle. Oui, n'est-ce elle pas est. Mais dis-moi, tu ne penses pas que... le nom d'Ishika devrait être en haut de ton nom? Et le tien imprimé en bas? Absolument pas. Attends un peu. Pourquoi tu dis ça? Il suffit de sélectionner la carte. Tu as aimé? Ouais. Une minute. Je reviens. Allô? Oui. Quoi? Je n'attends pas. Oui. Tu vois? Celui qui se marie se moque de sa propre invitation de mariage. Il veut juste que son nom soit écrit en haut. Tu peux faire ton choix. Il y a plusieurs modèles et ils sont beaux. Tu peux choisir celui qui te plaît. Celui-là, je l'adore. Sublime. C'est vraiment très beau, vraiment. Pourtant, il y a un ennui. La qualité du papier. L'invitation qui marquera toute votre vie, si vous devez en choisir une, je pense que... ça. Jette un coup d'œil. Vas-y, regarde. Merci pour la suggestion. Cependant, j'ai déjà fait mon choix. Alors explique-moi pourquoi tu as... choisi Ranveer. Je voudrais savoir comment... t'as eu le béguin pour lui. Allez, vas-y, raconte-moi. Il a l'air bien, mais parfois il est un peu... je ne sais pas te contrarier, jamais. Non, je me demandais juste qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour que... tu le choisisses. L'honnêteté. C'est un homme honnête. Il rend la justice là où elle est vraiment due. Il peut être strict, mais aussi sensible. Attentionné. Et il a aussi un bon cœur. Waouh. Bien dit. Donc, depuis combien de temps est-ce que tu l'aimes? Je veux dire, toutes ces qualités, attentionné, sensible, strict, mais avec un bon cœur et tout...
ces qualités-là, quand est-ce que t'as pu les constater ? À son anniversaire, il m'a invitée à le célébrer. Il l'a célébré d'une façon vraiment très particulière et... j'ai découvert toutes ses qualités. Un gars... unique. Spécial. Anniversaire ? Curieux de savoir comment il l'a célébré. Ouais. Avec des enfants pauvres. Dans un orphelinat. C'est là que j'ai compris que c'est une bonne personne. Alors, quand est-ce qu'il a célébré son anniversaire ? T'es son frère, non ? Ça doit être évident que tu saches quand il l'a célébré. Le mois dernier. Ben voilà. Les personnes comme cela se font rares. Vous avez raison, monsieur. C'est très rare. Allô ? Oui, maman ? L'anniversaire de Ranvir est demain, non ? Oui. Pourquoi ? Dis-moi. Non, je voulais être sûr. C'est tout. Je dois raccrocher. Au revoir, maman. Au revoir. Ranvir, demain, tu vas célébrer ton anniversaire somptueusement. Et je vais tout organiser pour que tu puisses célébrer ton anniversaire. Ce soir même, mon cher. Parfait. Kamla, emmène cette invitation au temple demain matin et fais-la bénir. Et offre la première invitation à Dieu. D'accord ? Tiens. N'oublie pas, demain nous devrons aussi envoyer la pâte de curcuma à Ishika. Et elle doit provenir de la maison du futur marié. Et ils doivent nous envoyer une pâte de curcuma, n'est-ce pas ? Ah, c'est parfait. C'est génial. Maman, tu peux emballer le curcuma rapidement parce que demain, je dois aller le déposer à la première heure. Waouh, Rupendra, regarde-toi. Tu as mis du temps pour arriver sur la bonne voie. Ce n'est pas la seule raison, ma tante. Demain est un jour spécial. Tu as raison, ma tante. Mon jeune frère a beaucoup mûri. Ces derniers temps. Kamla Rani ! Hé, Kamla Rani ! Oui, belle-sœur Kauchalya. Oui. Kamla Rani, tu es très rusée. Et comme Ranvir va se marier, nous allons devoir donner certains de nos bijoux ancestraux à sa femme, hein ? Tu vas garder tous les bijoux ancestraux pour toi seule ? Hein ? Je les apporte. Vite. Allez, plus vite. Hein, tu as fini ? Donne. Voilà, belle-sœur Kauchalya. Je vous ai apporté tout ce que j'avais. Allez, prenez-les. C'en est pas trop ? On y est. L'auspicieux curcuma. Que personne ne te jette de mauvais oeil, ma fille. Et je te souhaite la même chose, ma chérie. Appelle la future belle-mère d'Ishika et demande quand est-ce que le safran va arriver. Le temps passe très vite, est-ce que vous savez ? D'accord, Kanta.
La famille Vagela n'est jamais en retard. Jamais. Surtout quand on me confie la responsabilité. Et ce qu'on me confie aujourd'hui est important. Le voici. Et j'ai aussi apporté une surprise pour vous deux. C'est magnifique. Waouh. C'est très joli. Ma tante. Donne, je m'en occupe. Eh ben, j'espère bien que ma surprise te fera plaisir. En fait, j'ai vu hier que tu cherchais des ornements floraux en ligne, c'est ça? Donc je voulais te les offrir. Il est temps, ma tante, que je prenne congé. Au revoir. Attends. Tu devrais faire quelque chose pour nous aussi. Prends cette pâte de spicieux curcuma et donne-la à Ranveer Kumar. Oui. Au revoir. Au revoir. Reviens. S'il te plaît, viens appliquer du curcuma sur ma fille. Et aussi, donne-lui tes bénédictions pour qu'elle mène une vie bénie. Kamla, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu donné tous les bijoux ancestraux? Tu as oublié qu'il y a aussi Rupenra, ton fils. Un jour ou l'autre, il se mariera aussi. Tu n'offriras à sa femme aucun bijou ancestral? Écoute, je sais que dernièrement, Rupendra et moi n'étions pas en bon terme. Mais il restera toujours mon fils. Et lui non plus ne pourra pas changer. Le fait que nous sommes ses parents. Hey, mais écoute-moi. Votre fils vous a-t-il déjà demandé de l'or ou de l'argent, dites-moi? Il vous considère comme son père. C'est vous qui ne le considérez pas comme votre fils. Et même si c'est le cas, ça ne se voit pas. Je ne vais pas me plaindre de votre affection pour Ranveer. Je sais que vous l'aimez vraiment beaucoup. Mais je suis bien triste de savoir que vous refusez de comprendre les choix de votre fils. Il n'est pas devenu un officier. C'est vous qui ne vouliez pas le pardonner. Vous ne vous en rendez pas compte, mais... Mais Rupendra est notre fils. Nous l'avons conçu pour qu'il soit ce qu'il est. Alors pensez-vous vraiment que... notre fils recherchait des embrouilles auprès des filles, vous croyez ça? Et quant aux bijoux ancestraux, eh bien... Alors mon fils Rupendra est beaucoup plus précieux que... n'importe quel bijou. Je te souhaite sincèrement d'avoir tout le bonheur du monde. Sincèrement. Et si on se prenait en selfie? Souris un peu. Non, je ne veux pas. Juste un selfie. Attends, s'il vous plaît, dites-lui. Ichou? En fait, je veux juste capturer ton sourire en ce moment précis. Pour que je puisse le comparer avec celui d'après le mariage. Souris, s'il te plaît.
Un, deux. Mon enfant, mais que fais-tu? Souris, s'il te plaît. Voilà. Waouh. Bon, je m'en vais. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui. Je peux y aller seul, mon oncle. Mais non. Allez, allez, on y va. Mon oncle. Viens, mon fils. Allez, allons-y. Vous devriez vous reposer. Je vais bien. Allons-y. Dans quel but? Il m'a appliqué le curcuma. De plus, il voulait un selfie souriant. Ichou, il te souhaitait juste le meilleur. Ne sois pas en colère. Nous célébrons une occasion spéciale. D'accord. Venez tous ici. Avancez. Ici, viens, Rouila.